علي مين الجمال
نبقى جواركم في برد ناري حكمت القدار القدار اللي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جواركم في برد ناري حكمت القدار القدار اللي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جواركم في برد ناري حكمت القدار On a fait le clip. Zahi Hawass. On nous a fait. Mohamed Mounir nous a offert tous les moyens. Parce que lui, il a repris la chanson avec nous. Mm-hmm. Mais la version terrain, on n'a pas eu beaucoup de succès. Qui m'a la version terrain? Quand on dit, par exemple, Idir, c'est Aveve Innova. Quand on dit Dahmal Harrachi, c'est Yabaï, c'est Hajla. Quand on dit Girwabi, c'est Yalwurpa ou Alou Alou. Donc, tout le monde, il marque son époque. Quand on dit Khaled, on dit Ashab al-Baroud. Quand on dit Hamid Baroudi, c'est la vente ou Bagdad. Ou la Hakmet l'Aqda, ou la Hakmet l'Aqda, ou la Hakmet l'Aqda. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Donc chacun. Bien que Hakmet l'Aqdar, c'était une chanson, c'était une reprise, hein, c'était une chèvre. Oui, c'était une chèvre. Oui. Et qu'elle a c'était été le groupe. Les dissidents de l'Mchèvre qui ont composé le groupe. Voilà, c'est Chérif Lavorani qui l'avait composé. Voilà, c'est Chérif Lavorani qui l'avait composé. Voilà, c'est Chérif Lavorani qui l'avait composé. Voilà, les dissidents. Voilà. Et vous avez vraiment retravaillé la chanson et il y a eu un succès planétaire. On a contribué à rendre la musique marocaine plus moderne. Oui, voilà. C'est vrai. Et c'est une autre preuve que la musique n'a pas de frontières. Oui, bien sûr, c'est international. L'art, de manière générale. L'artiste, le véritable.